Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer l'aventure Sekiro Shadow Dice Twice. Hop. Et on va réaffronter le démon Gyobu. Parce que je ne sais toujours pas si c'est intéressant ou pas de le réaffronter dans les souvenirs. Et je voulais tester ça. Hop là. Voilà qui est bien. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, prenez une boisson agréable de votre choix. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, c'est pas bien. Je vais me chercher ça tantôt. Connexion au serveur se passe bien. J'ignore toujours pourquoi la semaine dernière j'ai eu un problème de connexion au serveur. Ça nous a pas empêché de continuer. Ah oui, donc j'avais dit avant de continuer ici, on retourne dans les souvenirs. On essaie de le vaincre une deuxième fois. On va y arriver, normalement. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Sur mon honneur. Ah oui, juste c'était ça son nom. Mais non, c'est... Je ne trouvais plus le grappin, au secours. Vous rencontrez face à face, ça fait vraiment ah oui, vraiment plaisir. Je ne trouvais plus le bouton du grappin, au secours. Et c'était ça son nom, effectivement. Dis-moi, Jidan, tu es ici parce que Discord, parce que Facebook, ou parce que enfin tu as eu une info via Twitch. J'ai peur de la réponse, évidemment. Ce cher Jidan, ainsi que d'autres, je pense malheureusement à des soucis, ne reçoit plus les alertes quand je démarre un stream, ce qui est assez embêtant. C'est vrai que je ne manque pas de mettre systématiquement sur le Discord et sur Facebook. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. T'as eu la notif ? Sur mon honneur. Bon, t'as eu la notif, c'est déjà ça. Bon, alors, le grappin, c'était comment déjà? Je crois que c'était, LT. Mais non. Quel crétin je fais. Allez. Et Robin, tu dis plus bonjour. Robin? Robin des Bois est là? Bonjour à lui, c'est le cas. Allez, on se concentre, on va y arriver.
On vient de reprendre l'aventure. Faut le temps de se remettre un peu les mouvements en main. Jidan, Stalker de l'extrême. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Sur mon... Bon, allez, on se concentre. Ouf. Ça c'était rapide. Ça c'était rapide. Au secours. Avant de relancer, je vais quand même réessayer le grappin pour être sûr que c'est ça. Faire un petit tour. Ah bah on est justement là. Alors. Salut Potato. J'arrive au moment mort. Il y a beaucoup de chances d'arriver à ce moment-là, malheureusement. Salut Potato, installe-toi confortablement. Tiens, qui est-ce? Ah, il est mort. Moi, j'aimerais bien trouver un endroit où je peux utiliser le grappin. Vous voulez acheter une offrande? Encore un. Où vous trouverez les morts, vous trouverez les pilleurs de tombes. Un champ de bataille est notre paradis. On devrait les appeler les vautours. Acheter une offrande. Qu'est-ce qu'il achète, lui? Goutte de sang de dragon. Un objet rarement donné par l'héritier divin de l'héritage du dragon. L'utiliser augmente légèrement le pouvoir de résurrection. Ouais, je m'en sers pas. Antidote sang, petite bourse. L'avantage d'acheter des petites bourses, c'est que ça met des sous de côté. Je vais acheter des petites bourses. Ça me mettra des sous de côté que je ne perdrai pas avec la mort. Bon. Où vous trouverez les morts? Oui, oui, oui. Alors. J'ai juste besoin d'être sûr que c'est bien... LT. Au secours. Bien pratique ce petit bouton mute de micro pour épargner vos oreilles. Censure de l'éternuement, ouais. Oui, d'accord. Bon. On va y retourner. À moins que par là il devait y avoir moyen. Ah, je peux peut-être simplement ouvrir maintenant ici en fait. Ah non. Bon, on va y retourner. Et je suis presque sûr que c'est left trigger pour le grappin. Allez, on est parti pour affronter Gyobu Masataka Oniwa. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Sur mon honneur, me sens entre petits. C'était rapide. Yugawao Tekimaru, Anzo dans Overwatch. Ah, ça va être long, hein. Mais je veux pas continuer tant que je l'ai pas revaincu. Je sais que j'en suis capable, en plus c'est un bon entraînement. Alors... Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Allez, monsieur. Sur mon nom. Onikage Sukai. Laisse-moi te montrer la colère d'un homme qui se tenait aux côtés des Ashina quand ils se sont emparés de ce pays. Normalement, il va me proposer le grappin à un moment donné. Non ?
Aïe. Peut-être qu'il faut d'abord que je le... Faut d'abord que je l'effraie une fois avec les pétards. Moi j'y retourne mon cher Blutch. Eh bien bon boulot à toi Potato, merci de passer faire coucou, ça fait plaisir. Passe une belle journée. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Sur mon honneur. Laisse-moi te montrer la colère d'un homme qui se tenait aux côtés des Ashina quand ils se sont emparés. Ouais, c'est bon. On y est presque. Hein. Et de 1. Tu n'auras pas la tête de Gyobu. Ouf, ça fait mal. Bon, il y a du mieux, on a eu une vie. On a eu une vie, il y a du mieux. Ça va aller. Il est pas évident. On me donne l'astuce de l'entraînement, je sais pas comment je dois le prendre. À la fin, peut-être qu'il nous dirait le nom de ses petits enfants ou son plan préféré pour changer. Ouf. Concentration, ça va aller. Mais non, on passe au reposer. C'est ça que je veux faire. Allez, on se concentre. Ça va bien se passer. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Sans attendre, voici. Mais non. Oh là là. Allez. Dommage qu'il n'y ait pas une option réessayer. De chaque fois mourir, chargement, revenir, chargement. Ouais, j'en ai des badges sinon. Des badges? Des badges de quoi? Ah des... Oui, t'as... c'est vrai que t'as des badges.
C'est... Attends, l'épée verte c'est parce que t'es modo, premier c'est parce que t'es un des premiers à t'être abonné, et le troisième je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est parce que t'as donné X bits. Sur mon honneur. Je crois que je les personnalise ceux-là d'ailleurs. J'apprenne les touches, hein. Laisse-moi te montrer la colère d'un homme qui se tenait au bout des hachis quand ils se sont emparés de... Mais enfin... Je connais en plus hein, la manière de le buter. Yep, c'est nouveau que le troisième s'affiche pas. C'est nouveau que le troisième s'affiche. Ça commence à faire surcharger. Je vais aller faire du badminton avec Boris et Théo, mes amitiés à Gobou. Eh bien, amuse-toi bien au badminton. Vous allez où, Tabora ? Enfin, amusez-vous bien en tout cas. Fait longtemps de badminton, j'en referai bien à l'occasion. J'aime beaucoup. Mon nom est Gyobu Masataka. La carrière, ah ouais. Sur mon honneur, s'attendre petit. Mais non. Au secours. Viens avec, sinon on fera un 2v2. Bah, la carrière, c'est gentil, mais... Le badminton en extérieur, trop devant. À l'occasion, à Floref ou à Tabora, je viendrai avec plaisir. Faut que je remotive Paco, d'ailleurs il avait l'air intéressé. Ah oui, c'est vrai que t'avais des volants anti-vent, je suis curieux. Mon nom c'est que ça peut être sympa. Et Gyobu Masataka Oniwa. Concentre. Allez, encore une troisième fois, je crois. Mais enfin. Au secours. Mais la récompense est alléchante. Hein. Si on arrive à le revaincre, on sera plus fort normalement. Dans tous les sens du terme d'ailleurs normalement, au niveau heal et au niveau personnage pur. Allez. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa.
et de une. Ok. Tu n'auras pas la tête. Mais non. J'ai voulu parer, mais parer et courir en même temps, ça ne marche pas. Ah, c'est dommage, on était presque. Alors, on se concentre pour pouvoir continuer, s'il vous plaît. Pour être sympa. J'arrête de vouloir à la fois esquiver et parer. Ça ne marche pas. Mais non. Ah, j'ai presque envie de ressusciter. Allez, on essaye. Ah. Aïe. Et vous le disiez le grappin, mais il avait déjà fait son tournicotis-tournicoton un peu vite. Ah, j'ai gaspillé une résurrection pour rien. N'oublions pas que on ne sait pas encore très bien comment ça marche, mais les résurrections ne sont pas gratuites. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Au secours. Allez, on se concentre. Ouais, je sens que ça va être long. Oh, je l'ai déjà eu une fois. Et sans réciter, je crois.
Bon, là, je lui fais du dégât. Ok. Il s'en va, il revient, je dois parer. Je dois essayer d'aller près de lui. Laisse-moi te montrer la colère d'un homme qui se tenait aux côtés des haches. Faut que je pars, faut que j'arrive près de lui et faut que je déclenche le premier pétard en fait. Je me demande si je peux pas déclencher le premier pétard dès le début. Faut que j'essaye ça. Faut déclencher directement le pattern grappin pétard. J'ai peur que le premier pétard soit un pétard dans l'eau. Il est pas encore vraiment là. On va voir. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Sans attendre, petit. Mais non. Ah, c'est fou ce que ça fait mal ce truc. Vous ne pouvez pas être réunis à la vie trop fréquemment sur une courte période de temps. Oui, sur une courte période de temps, mais sinon... On peut s'en servir de temps en temps, en fait. Mon nom est, tu vas rester ici longtemps. Salut Fenring. Mon nom. Je l'ai déjà battu, en fait. C'est juste qu'il paraît que rebattre son souvenir, ça apporte... plus de puissance pour après, donc j'ai envie de le rebattre, mais c'est chaud. Ah, se calme, tu se calme. Voilà, les pétards qui vont bien. Ok, pars-toi. Non! Mais non! Mais au secours. Ça va bien se passer. Allez. Super, il va pas trop loin. Et de une vie. Mais non, et moi aussi, et de une vie. Est-ce que je ressuscite? Non, je vais mourir. Tu as fait Dame Papillon? Non, j'ai rencontré, j'ai fait sa première phase, mais pour sa deuxième phase, il fallait des graines de boutrolles. J'en avais qu'une donnée par un charmant monsieur à l'entrée. Je l'ai utilisée, et puis j'ai pas réussi à la faire. Depuis, j'ai trouvé 5 graines de boutrolles dans la montagne. Il faudrait que je retourne la faire. Mais d'abord, je rebute ce mec. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Ça va bien se passer. Ça, barre-toi. Super. Mais non, Crétinus. Dame Papillon, mais il l'avait fait. Il n'y a pas à le savoir. Hein.
et de une. C'est pas trop trop mal passé. Pourquoi j'ai pas pu le grab, c'est blanc et pas vert. Alors c'est pas grave, on va l'avoir. On va l'avoir, on va l'avoir. Je sens que ça vient, je sens que ça vient. Le loup. Versus. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Fight. Ouf. Je pensais que le cheval était surpris, mais non. Mon nom et tu vas rester ici longtemps, bah t'avais raison. Mais je finirai par l'avoir. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Je n'ai pas tout suivi des. Même très peu en fait des streams de Maisy sur celui-ci. Je sais pas jusqu'où elle est arrivée. Il me semble qu'elle l'a pas fini hein. Mais je sais pas où est-ce qu'elle s'est arrêtée. Merde. Mais non, arrête de fuir et de parer en même temps, ça ne marche pas. Merde. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. T'es toujours parmi nous, Fen. Non, pourtant, on n'est pas jour de ménage. Ah, c'est pas grave. Tu répondras quand tu auras le temps. Mais je suis curieux. Il faudrait que je vois avec Maisy, mais j'attends de ses nouvelles pour le Battle Stream of Doom. À toutes mes dates, il n'y a plus qu'à attendre de ces nouvelles et on pourra lancer. Merde, pas bien passé. Mais... Trois pétards pour y arriver. Je me demande si la technique que j'ai apprise où on fait B, c'est-à-dire une esquive, mais sans faire de direction, au moment où quelqu'un plante une lance, je me demande si ça fonctionne contre lui ou pas. Pas l'impression, parce que le principe c'est d'écraser la lance au sol avec son pied, et là, vu qu'il est à cheval, ça me paraît compliqué. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Merde, trop tôt. Laisse-moi te montrer la colère d'un homme qui se tenait aux côtés des Ashina quand ils se sont emparés de ce pays. Mais non. Faut vraiment que je me concentre. Hein. J'ai des sales réflexes de roulade alors que je peux pas faire de roulade. Je sens que ça va être rigolo de repasser à Dark Souls après avoir beaucoup joué à Sekiro. Mais non, pas se reposer. Ah là là.
Masataka Oniwa. Aïe. J'ai vu venir ça en plus hein. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire. Mon nom. Allez. Et Gyobu Masataka Oniwa. On entame sa barre, super. Là ici, on essaie de lâcher. Super, là ça se passe bien. Là c'est bien, on est concentré, on reste concentré s'il vous plaît. Très très bien. Ah, là ça se passe moins bien. On va boire un peu d'eau. On va boire un peu d'eau. Mais non, je vais aller en plein dans les pétards. Allez. Alors la roulade d'esquive, c'est pas ce que vous croyez. La roulade d'esquive, donc ce n'est pas comme dans Dark Souls. C'est uniquement quand on a déjà été touché, qu'on est au sol, on peut rouler sur le côté. Mais on ne peut pas enchaîner cumuler sur cumuler pour enchaîner pour éviter les coups. On peut pas parer non plus à poison parce qu'on a notre propre barre de garde qui s'amoindrit avec le temps. Mais normalement les pétards auraient dû faire leur effet. Ah là là. Il est 16h48, ça fait déjà 46 minutes que son nom est Gyobu Masataka Oniwa. J'aimerais bien proposer autre chose après et aller voir un peu plus loin dans l'aventure. Mais je suis tiestu. J'ai tout ce qu'il faut pour le battre, hein. J'ai le grappin, j'ai les pétards. Et j'ai la certitude que ça fonctionne vu que je les ai battus une fois. Ah, il faut pas le laisser aller trop loin, voilà. De l'eau. Ok. C'est peut-être la bonne. Tu n'auras pas la tête de Gyobu. Non. Est-ce que je ressuscite? Allez, merde, je ressuscite. Toujours debout, je te frapperai. Une fois qu'il
Ah mais je n'ai plus que 4 trucs hein. Là je crois que j'aurais pu faire B. Là je crois que j'aurais pu faire B. Je suis pas sûr, même semble. C'est super dangereux parce que si ça marche pas, tu te prends le truc en pleine face. Alors. Aide divine 12%. Pas énorme. J'ai encore très bien compris comment l'augmenter. Je crois que en ne ressuscitant pas trop souvent, on l'augmente. On évite qu'elle diminue trop. Après. En mourant dans les souvenirs, on ne perd pas de sous, donc ça va. Laisse-moi te montrer la colère d'un homme qui se tenait aux côtés des Ashina quand ils se sont emparés de ce pays. Allez. Et finir par savoir lire ses mouvements et réagir en fonction, hein. Après tout, j'ai passé 2 heures. A essayer de battre un boss de Dark Souls en faisant des moulineuses en fait. Mais non. Allez. Je vais me prendre un truc à boire, moi. À tout de suite.
J'avais besoin d'une pause. Fait que je me calme un petit peu. Mais on va repartir sereinement. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le vaincre. Gyobu Masataka Oniwa. On l'a déjà vaincu une fois. On est reparti. Allez. Bludge, concentre-toi. Ça va aller. Mon nom. Observer. Je regarde, j'analyse et je me lance. Est-ce que le cheval il a pas tressailli là?
Bon, et le une. Ça me perturbe sa voix parce que je la connais. Ouf là. Voilà, je vais ressusciter cette fois. Je te frapperai autant de fois qu'il le faudra. Aïe. Les portes du château restent fermées. Oh, c'était pas trop mal comme essai. C'était pas trop mal. Allez. Ouf, je crois que je ne retournerai pas le battre une troisième fois une fois que j'aurai battu une deuxième fois. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Danse en fait, hein, c'est... il suffit de comprendre ses mouvements et de savoir comment réagir. Et même si c'est très différent de Dark Souls, à l'instar de Dark Souls, je pense que le secret c'est de rester la tête froide. Une, non, pas encore. Ne crions pas victoire trop vite. Voilà, et de une. Au bord de l'eau. Mais non, mais quel crétinus je fais. Allez. Toujours debout, je te frapperai autant de fois que... Mais ça, il me l'a déjà fait le coup, il commence le tourniboulis. Et c'est trop tard. Je reviens de promener Gibbs et je réentends mon nom est Bleu de Chantette à faire un boss accessoire, on dirait. Ça ne me ressemble absolument pas, mon cher Fenring. Ah bah du coup, je parlais un peu dans le vide tantôt, vu que tu étais parti promener Gibbs. Je vais pouvoir te poser des questions si tu es là. Bah, comme tu répondais pas, je me suis dit que tu devais être occupé. Même si je me suis dit que c'est pas toujours de ménage. Je ne sais pas jusqu'où est allée Maisy en fait. Je sais qu'elle l'a pas fini. Mais je ne sais pas si elle a eu bah, celui-ci ou Dame Papillon. Onikage, chargez !
Laisse-moi te montrer la colère d'un homme qui se tenait aux côtés des Ashina quand ils se sont emparés de Chumpy. Non, faut faire vite parce que ton tourniboulis là c'est mortel. Mais allez, arrête de faire des roulades, Blutch. Ah. Non, c'est pas beaucoup plus. Ah ok. Mais je sais qu'elle a râlé devant la dame papillon, mais je sais pas si finalement elle l'a eu ou pas. Je me souviens de l'avoir entendu rager sur la dame papillon. Il me semble que je n'ai pas vu ces derniers streams. Mais elle a pas continué à se super longtemps. Elle était passée sur Dark Souls parce que je lui avais offert le premier opus, je crois. Ou le 3, mais elle avait laissé ses clients de côté. Mais non. Cours. Au secours, allez. Celle-ci, elle comptait pas. Celle-ci, elle comptait pas. Allez. Je sens que ça va aller. Je sens que je suis à deux doigts de la voir. Comme ça, je deviens plus fort et enfin, je peux continuer l'aventure. Milissa, il y a un gage. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Meurs sans attendre, petit. Onikage chargé. À chaque fois, hein, il lève son truc. Je fais rond, enfin B, pour faire une roulade, alors que ça sert à rien. Ça fait pas de roulade, c'est le bouton de course et d'esquive, mais ça esquive pas suffisamment, faut parer. Ce jeu c'est plus un jeu de parade qu'un jeu d'esquive. Oh, comme disait l'autre, je sais plus qui m'a dit ça, Ninurta je crois. Il faut que j'oublie Dark Souls. Il faut que je me défasse de mes réflexes de Dark Souls. Mon nom, je suis le loup. Et Gyobu Masataka Oniwa. Je dois mettre. Sur mon honneur. Je suis le loup. Je sais pas si à mille essais il y a un gage, mais à 18h en tout cas, je vais aller faire des courses pour aller manger. J'ai jusqu'à 18h pour le vaincre. Et continuer, j'espère, un peu l'aventure, s'il vous plaît. Et Gyobu Masataka Oniwa. Je voudrais pas me porter la poisse, mais ça a l'air de plutôt bien se passer. J'ai perdu de la vie, je crois, avec son tourniboulis, mais... Tu n'auras pas la tête de Gyobu.
Mais non. J'aime bien comme il discourt toujours à ton cadavre. Ouais. Et sinon, quand est-ce que tu prévois une session Dark Souls? Ouais, ça, il faut qu'on prévoie. Il faut qu'on prévoie. Demain, je suis en nuit, donc c'est compliqué. Mercredi, j'ai un Among Us, donc c'est pas possible. Jeudi, j'ai une répète de théâtre. Et vendredi, je reprends mes nuits. Et moi, parce que je fais une nuit au milieu de nulle part demain. À la limite, on peut prévoir Dark Souls 3 dimanche si tu es dispo. Dimanche quand je me serai réveillé, donc on va dire départ pas avant 17h, mais après je suis tranquille parce que je travaille pas avant 23h, donc je devrais partir 22h, donc on peut dire départ 17h dimanche si ça te va. Je prévoirai ça. La suite de Dark Souls 3. Et on peut se voir. On se voit de toute façon jeudi, je suppose. Encore je, il me semble qu'il faut encore que je fasse les scènes qu'on travaillera jeudi. Je peux encore regarder si tout le monde avait répondu. De toute façon, on se voit. Je crois qu'on se voit jeudi. Mais promis, de toute façon, ce soir, je fais le planning. Pas aussi vite qu'un cheval, hein. Clutch. Mais non! Oh là 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 là! J'y croyais là! J'y croyais! Je suis dispo pour la pète de jeudi en tout cas. Oui, je me souviens que j'avais vu, il me semble que tu avais dit dispo. Mais il faut que je regarde. Je crois que tout le monde a répondu, j'espère. Dès ce soir, je mets le planning, je pourrais. Sinon, pour dimanche, on a un dimanche chill de prévu, ce qui me laisse aussi bien dispo. Super! Je vais me t'aider de manière directe pour quand la rage se consumera. La rage me consumera, mais non! Mais non! Pourquoi je joue à ce genre de jeu? Allez, on se concentre. C'est bien, décidément, j'aurais bien Sekiro dans les doigts. Enfin, que je désapprenne Sekiro pour réapprendre Dark Souls. Je crois que ça reviendra vite. Hein. J'ai quand même pas mal d'heures de jeu. Allez, viens par ici. Voilà, trop tôt. Dans le feu, Blutch, ouais, bien. Ça brûle. Ça brûle, mais c'est la fin de Diobu Masataka Oniwa et ta Blutch Roti. Ça me rappelle quelque chose, ça, un Blutch Roti, non? Bon, et de une. Parce qu'ils sont très qualitatifs, ouais, t'as raison, c'est vrai que c'est des très bons jeux. Non.
Tant pis, je ressuscite là. Toujours debout, je te frapperai autant de fois qu'il le faudra. Moi aussi. Où est-ce qu'il est ? J'ai perdu. Comment est-ce que je peux perdre un mec comme ça ? Et j'ai gaspillé un pétard. Et c'est la porte du château. Allez, on y était presque. Kebab Blutch peut prendre de nombreuses formes. C'était où Kebab Blutch ? C'était où ? Je me demande si c'était pas dans Dark Souls 1, cette espèce de gros monstre, je ne sais plus. Alors ça meurt bien. Salut, ma Fetheus. Salut, salut. Bienvenue, installe-toi confortablement, prends une boisson agréable de ton choix. Je suis personnellement au thé glacé à la pêche. Et bah Blood chez DS1, le Drake rouge. Ah oui, c'est vrai. Sur le point. Mais non. Mais non. Crétinus. Allez, ça va aller. Que tu t'es entêté à abattre pour zéro raison. De bonnes paroles, je vais vous laisser en la charmante compagnie de mon nom et Gyobu Masataka Oniwa. Bonne soirée à vous deux. Bonne soirée Fenring, merci d'être passé. On se retrouve jeudi IRL pour la répète. Et sans doute dimanche, on en reparle, mais dimanche 17h pour la fin de Dark Souls 3. Je sais pas si ce sera la fin, mais... essayer de progresser. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Je pensais que c'était des colonnes grecques par terre, mais ça n'avait pas de sens. C'est des espèces de trucs en bambou attachés les uns aux autres. La fin de Dark Souls 3, j'ai ri. Allez, on the road again. Nous étions jeunes et larges d'épaule. On dit joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frôle. On the road again. Au petit jour, on piquait l'Irlande. Et derrière nous s'éclairait la lande. J'étais super bien timé là. Je comprends pas. Ah là je comprends. Je comprends. J'aurais juste pas dû boire à ce moment là. Ah. Au secours. Allez. Allez, 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 allez. Je vais essayer un truc. Alors, chill. Luffy. Chill. Relax. Voilà. Relax, chill.
Voilà. On est bien là, on est bien. De mourir en faisant ma vaisselle, ça me fait dire que je suis pas le seul à souffrir. Allez, on a mis un peu de musique chill. On a coupé la musique du jeu. Et on va aller lui faire sa fête, calmement. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. C'est beau de le voir. De le voir sur le mur galoper pour rien. Allez, on va y arriver. On va y arriver. J'y crois. Je crois en toi, le loup. Celle-ci allait s'appeler Adieu Blech. On est presque à sa première vie. Voilà, et de une. Tiens, ma fête, juste toi qui est plus qu'avec moi. En tout cas, plus qu'avec Fenring. La voix du mec en français, enfin la voix de Gyobu Masataka Oniwa, elle me dit quelque chose grave, quoi. J'ai déjà entendu. Bah, ce qui est logique, hein, comme il y a doublage, je fais pas un rôle. Mais je ne sais plus où je l'ai déjà entendu. Je sais que je connais quelque chose. Allez, c'était pas trop mal, on lui avait buté une vie déjà. Pas encore fait le tourniboulé tourniboula là. Mais non, arrête. Encore une fois, j'ai voulu faire une roulade. Hein. On pourrait pas apprendre à ce shinobi à faire une culbute avant. C'est le premier truc qu'on apprend aux gamins. Ceinture blanche au judo, il va pas me dire qu'il sait pas faire une culbute avant.
Ikyobu Masataka Oniwa. Onikage, chargé. Laisse-moi te montrer la colère d'un homme. Allez. Allez. Allez, je pensais que c'était la première vie. Allez, j'ai plus que oui. Oui, bazar. Tu n'auras pas la tête de Kyobu. Prendre de l'eau. Ouf là. Ça, c'était la mort. Ça, c'était la mort. J'ai déjà réussi à lui faire des premières vies smooth, quoi. Donc si je me concentre, il y a moyen d'en faire deux. Il y a moyen, je sais qu'il y a moyen. Tiens, ma fait dire, je sais que t'es en train de faire la vaisselle. C'est pas grave si tu réponds pas, mais juste pour savoir comment c'est... Savais-tu que j'étais en stream Discord? Enfin, je sais que c'est pas Facebook pour toi. Ou alors t'as eu une notification Twitch. Jidan avait des problèmes de notification. Apparemment maintenant c'est réglé, il les reçoit. Mais je suis un peu curieux de savoir si vous les recevez toujours ou pas. Mais enfin... Ça le type. Je vais baisser un peu le son du jeu aussi. Concentrer un peu sur la musique. Un peu la musique mais... Les effets et les voix. Ouais. On entendra un peu moins cette fois. Je n'ai pas de compteur de mort, Ninurta. Bonjour à toi. Content de te voir. Ouh, ça a brûlé. Et puis je rattrape le chat, hein, ne vous inquiétez pas. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché là? Aïe, je suis mourute. Alors t'es mort combien de fois? Hello, c'est bien dommage, j'ai toujours un petit plus ce compteur dont on se délecte. Je ne veux même pas savoir. Vous pouvez le tenir en interne si vous voulez. Allez, j'espère que c'est utile au moins de le rebattre une deuxième fois, mais je pense que ça doit être utile, sinon on serait pas là. Je serais bien content quand j'aurais battu une deuxième fois de pouvoir aller ailleurs. Pour info, Ninurta, ça fait 1h29 que je suis là-dessus. Que j'ai pas réussi à le rebattre.
Ah, ça brûle. Bon, sa première vie, ça devrait le faire cette fois-ci. On y est presque. Mais non! Comment j'en suis encore à confondre les touches? Et voilà, j'ai confondu une touche et j'ai perdu. 1003,5 fois. Pourquoi vouloir le battre une seconde fois? Bah, j'ai cru comprendre que si on affrontait des souvenirs, lui c'en est un du coup, après on pouvait gagner de la puissance ou un truc dans le genre. Je dis bah c'est cool, je vais le rebattre du coup. Ouais. Améliorer la puissance d'attaque, ne veut qu'un souvenir de combat et du coup j'ai jamais battu celui-là en tant que souvenir. Donc si je le bats en tant que souvenir, je pourrais améliorer ma puissance de combat. Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Et de 1. Mais non. Quand je maintiens un B, je ne peux pas parer à ce moment-là. Non, je meurs, c'est bon. C'est bon, je vais le faire. Oh, j'ai déjà plus de... Je vais aller chercher de l'eau, j'arrive. C'est bien Ninurta, mais je trouvais ça dommage maintenant que je l'ai réessayé je sais pas combien de fois de pas tester quand même. Et ça me démoralise pas, je m'en doutais un peu, mais je trouve ça bizarre parce qu'il parle vraiment de battre des souvenirs pour avoir de la force. Or la première fois que j'ai battu c'était pas un souvenir. Et puis c'est un bon entraînement pour la suite. Même si j'ai très hâte de... Quel crétinus je fais. J'ai l'impression... Soit il est plus fort, soit je suis plus nul. Hein. C'est possible aussi. J'ai l'impression qu'il est plus balèze dans le souvenir. Mais non, pas se reposer. Peut-être les deux, ouais.
Ouais, un peu des deux. Allez, on se concentre et ainsi on peut continuer un peu l'aventure avant que j'aille faire des courses. Pour aller faire à manger. La vie passionnante de Blutch. De une. J'y croyais. Ouais, j'en ai eu besoin au bout d'un moment. J'étais à cran, je me suis dit, je vais mettre une petite musique. Ouais, c'est pour faire passer la pile, tout à fait. J'ai baissé un peu le son du jeu et j'ai mis une petite musique calme pour contrebalancer un peu toute la rage que je dégageais. Il m'a touché une fois avec son truc, ça a fait mal. Non, merde! Oh là là. Un mélange de rage et de désespoir, ouais. Je ne désespère jamais. Allez. Oula, je l'ai pas vu venir. J'ai voulu parer, mais un peu trop rapide. Allez. Il y a peut-être un compteur de mort sur dans le menu quelque part, je vais voir si vous voulez. Quel brutalite. Pauvre bête qui a rien demandé quand même.
Au secours. Contre taillade. Quand une attaque ennemie portée est déviée, RB après une déviation contre taillade. On va lui faire péter la barrière directement, non? Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, je me concentre. Oh, allez. Dommage, j'aurais bien voulu lire jusqu'au bout ce conseil. Pour l'aide divine. Bon, c'est pas que te voir mourir en boucle me procure un plaisir malsain immense, mais je dois filer au karaté. Une bonne raison de quitter le stream, de faire du sport. Mais non, je peux pas faire de roulade, je ne suis pas dans Dark Souls, crétinus. Good luck à toi. Oui, bonne procure, j'avais bien traduit. Merci pour le good luck, bon karaté. Et n'oublie pas, frotter, lustrer. Tout ce que je connais du karaté. Aujourd'hui, on reparle des toilettes. des bisous. Aïe. Bon. C'est pas possible, on va faire 2 heures sur ce mec. Honnêtement, si on fait 2 heures sur ce mec, je pense pas que je vais la uploader sur YouTube, celle-ci. J'aurais pas avancé d'un pet dans l'histoire. Il y a des fois où ça se passe très bien, il y a des fois où... Bon. Allez. Plus qu'une vie.
Ma caméra derrière la cage. Allez, je vais ressusciter là. Ah mais je n'avais plus de... Je n'avais plus de quoi faire des péteurs. Oh c'est bête, c'est bête, c'est bête, c'est bête, j'étais presque là, j'étais presque. Oh, allez, il reste un petit quart d'heure, ça va aller. On va y arriver. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Et de une. Allez. Allez Blutch. On profite de la musique. Tranquilou bipilou. Ah merde, ah faut que je fasse gaffe à ces machins là. Je me demande si bêtement en sautant en fait je peux les esquiver. Poison de la rouille bleue. La légende veut que la rouille bleue... Un jour on saura la suite. Mais quel crétinus! Pou 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 pou.
Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Allez. Demande si je suis pas un peu sombre, non ? Non, ça va encore. J'augmenterai peut-être un chouïa la luminosité la prochaine fois. Bien celle-là. Ah merde. J'attendais pas à ce qu'il fasse ça, tiens. D'habitude, quand le cheval est ni, il est un peu déstabilisé, il se barre. Voilà, deux coups de lance, bam bam. Ouais, c'est pas trop mal passé, honnêtement, hein, ce combat-là. On a très vite eu sa première vie. C'est vraiment ça, sa première vie. Six minutes avant... avant les 2 heures de live, mais 4 minutes avant 6 heures.
Oh, j'ai eu un coup de sabot là. Allez! Ah, j'y croyais. Bah, c'est pour ça que j'ai ressuscité d'ailleurs, c'est parce que j'y croyais. Ici, c'est 58, ça sent le dernier ou l'avant-dernier essai avant d'aller faire les courses. Bah, en tout cas, je laisserai jamais personne dire devant moi que t'es pas persévérant. C'est gentil. J'aurais au moins gagné ça. Pouf! On va la voir. J'ai l'impression que sa phase 2, il est plus balèze, c'est possible, non? Pas forcément en fait, je tombe sur des mauvaises des mauvaises comment on appelle déjà, oulala, où je fatigue, des mauvaises patterns. Allez, 17h59, ouais. Je sens que ça vient et je sens qu'il faut pas que j'abandonne maintenant parce que je l'ai quand même dans les mains là. Je pourrais aller faire les courses serein, sachant que j'ai tué, bah retué, Gyobu Masataka Oniwa. C'était maintenant. Ludge, c'était maintenant qu'il fallait aller lui faire des dégâts. Attention au feu. Mais non, pas de... roulade. Vraiment, mais après c'est l'esquive, donc c'est normal que j'appuie sur cette touche là pour esquiver, mais c'est pas suffisant. Une esquive n'est pas suffisant face à un mastodonte fonce dessus sur son canasson et sa lance. D'ailleurs, il est énorme par rapport à moi, j'ai l'impression, ce mec, non? On va voir un peu. Outre le fait qu'il soit en armure avec une grosse lance et un énorme dada, j'ai l'impression qu'il est vraiment... il est pas humain, quoi. On va voir. Ok, c'est peut-être sa cape qui fait ça. Non, il est humain. C'est juste sa cape qui fait ça. Et le canasson qui est particulièrement costaud. C'est la fin là. C'est beau ça. Ouh, c'était beau. Une petite boulette. J'ai l'impression que... Allez, ne gaspillons pas les pétards. Comme là.
Eh, hey, pour ça que le cheval il s'en fout des pétards maintenant. À la phase 2, non? Tiens, dans la gueule les pétards, voilà. Non, par contre, ouais, par contre, c'est pas parce que j'ai fait des pétards qu'il... Ouais, il me semble que la phase 2 est plus complexe. Il me semble franchement qu'il est plus complexe que quand je rencontre la première fois. Le souvenir est plus balèze. Donc il serait logique que la récompense soit à la hauteur. Donc il faut que je continue. Ouais, voilà, ça n'apporte rien, ça m'aurait au moins apporté un peu d'entraînement. À défaut d'aller livrer du lait avec une carapace de tortue sur le dos. Eux qui savent. Mais non! Ah, j'avais pas vu qu'il faisait le tourniboulé. Heureusement, on a la petite musique pour nous détendre. Je crois que le magasin ferme à 20h, donc j'ai le temps, mais en vrai, j'aimerais bien y aller dans pas trop longtemps, faire manger, tout ça. Maintenant. On arrive à la fin de sa première vie. Seulement. Oh là 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 là, mais un coup bien placé, il nous bute. Allez. De choses autres dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment, parce que le propos du stream n'est pas très varié depuis 2 heures. Si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas. Je pourrais dire que c'est parce que je participe à la discussion que je ne suis pas concentré et que je perds, et j'aurais une excuse. Et j'ai gaspillé un pétard. Et je me suis fait découper par son machin, heureusement. Une fois ça va. Deux fois ça va moins bien. Bon, 18h07. J'ai dit que j'allais faire les courses. Je vais couper la musique d'ambiance. Une fois que le chargement sera fini. Je vais couper la musique d'ambiance. Je vais remettre la musique du jeu. Et on va faire un dernier ultime essai. Qui sait, ce sera peut-être le bon.
Mesdames et messieurs, l'ultime essai de ce soir, c'est parti. Et après course, et puis manger. Donc à mon avis, la régie doit enfin aussi. Un petit peu d'eau. Et on est mort. Bon bah j'avais dit c'était le dernier essai. C'était un essai un peu bidon mais... Mais c'est le dernier essai. On l'aura peut-être une prochaine fois. Pouh là là. Pouh là là. Au secours, je sais pas combien de fois on a essayé avant 2 heures. Dommage parce qu'on n'a pas fait du tout d'infiltration, d'exploration, on n'a pas du tout continué le jeu. On a fait uniquement ce boss là. Promis la prochaine fois on fera d'autres choses à condition que je le batte parce que oui je suis testu, si je reviens sur ce jeu je vais commencer par lui faire sa fête. Peut-être que parfois avec une petite pause en y revenant on a des clés qui viennent et ça va. Et vous voyez ça repousse un peu hein, tout doucement. Je redeviens moi-même. Et je vous souhaite tous une excellente soirée, un bon appétit pour ceux qui vont pas tarder à passer à table. À la prochaine, des bisous, tchuss.